Allô, moi c'est Maxime, cofondateur d'Octobe et directeur de production. Salut, moi c'est Bérénice, directrice des administrations et développement des affaires chez Octobe et aussi cofondatrice. Allô, moi c'est Corentin Guérin. J'ai fait beaucoup de choses différentes dans Octobe, de la musique à la technique pour nos scénographies, à la communication à un moment donné aussi. Allô, moi c'est Rodolphe Dutil. Tout ce qui est vraiment technologie événementielle, c'est un peu ça mon focus. Octobe, c'est des événements de musique électronique influencés par les raves européennes qui met l'emphase vraiment sur l'expérience participant, la scénographie. On est fan d'art numérique. On met toujours de l'avant des vidéos, les budgets. Puis aussi un gros focus sur la bienveillance et la sécurité de nos participants. Octobe, ça existe depuis 10 ans maintenant. C'est une OBNL, donc une association dans laquelle on est une vingtaine de bénévoles. On a grandi au fil des années. Avant, on n'était pas aussi nombreux que maintenant. Ça nous a permis de nous développer autant personnellement que professionnellement. Que c'est un peu un canevas, un terrain où les gens peuvent s'exprimer et proposer des projets pour apprendre là où on n'aurait pas laissé la chance dans le milieu professionnel. Je pense que c'est ça qui est très fort, ouais. L'espèce d'expérience humaine où on a grandi collectivement. C'est sûr que c'est vraiment très important pour nous de mettre en avant les artistes, la scène locale aussi, au niveau tant DJ que VJ. Puis notre but, c'est vraiment de transporter les gens dans notre univers et de mettre en avant les artistes avec cette scénographie, justement. On travaille fort à créer un moment où les gens vont se rappeler de leur expérience Octobe. C'est pas juste la musique, c'est aussi des écrans vidéo, c'est aussi des lumières, c'est aussi des petites expériences qu'on met à droite à gauche. On va toujours essayer de pousser la barre techniquement le plus haut possible. Puis c'est sûr qu'on a mis une emphase énorme sur tout ce qui va être visuel. C'est-à-dire on va essayer d'aller chercher une accroche visuelle avec le VJing, avec le light design. Nous, on est un des collectifs où on va faire le concept de notre propre light design. C'est-à-dire que tous les effets de lumière qu'on peut voir, ils ont été pensés au préalable. Je dirais qu'une grosse différence avec d'autres collectifs, c'est que nous, on est vraiment les mains dedans sur l'opération du show. Tout cet aspect artistico-technique, on va dire. Les soirées Octobe, c'est des soirées dans lesquelles tu te sens en sécurité. On a entre autres développé la Safe Space Squad qui est ici pour détecter des personnes qui auraient des comportements étranges et qui n'ont rien à faire dans nos espaces. Et de plus, on travaille en étroite collaboration avec notre sécurité et le GRID qui est présent à chacun de nos événements. D'un point de vue au niveau collectif, je pense qu'on a la chance à Montréal d'avoir une scène qualitative. On se tire tous vers le haut les uns et les autres. Fêter nos 10 ans à Picnic cette année, ça représente beaucoup. Pour nous, Picnic, c'est le landmark de la musique électronique à Montréal. Ils nous font confiance depuis 2018 et on est juste super fiers de pouvoir fêter nos 10 ans avec eux cette année.